Ok, salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 3 du coup de notre vie dans Conan Exile, notre découverte du jeu. Du coup, alors l'objectif aujourd'hui, ça va être d'aller ici. Donc on va y aller. En gros, ici se cache une recette pour apprendre les cartes dans lesquelles on se téléporte pour pouvoir aller un peu partout dans le monde. Bon après, il va falloir trouver les fameuses obélisques. Pour pouvoir aller un peu n'importe où. Bref, donc pour l'instant, go aller ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? En fait, c'est simple, j'ai juste fait un enclos pour les animaux, pour pouvoir les briser aussi. Je vais le mettre un peu à l'arrache, je sais pas trop comment ça marche, donc c'est pas grave. On va passer par là. On va passer par là, on s'accroche, on descend, on s'accroche. Voilà, alors, tac. Je vais mettre ici parce que c'est le seul endroit où il y a la place. C'est relativement immense comme truc. Voilà. Bah genre comme ça, hein, je pense qu'on va le mettre. Placement incorrect. Ah, c'est correct là. Voilà. C'est mon enclos. Alors après, je sais pas trop comment ça marche. Je vais aller chercher un animal, on va voir. Vraiment là, je découvre. Hein. Histoire de découvrir un peu tous les aspects du jeu quoi. Bon, je pense que c'est pas possible de découvrir tous les aspects, mais un minimum quoi. Au minimum, au minimum. Alors, on va prendre ce petit loup. Non? Ok. Je mets là. Là. Alors, viande sauvage. Ok. D'accord, bon bah on aura réussi à comprendre au minimum. On va d'abord passer, juste avant de partir, par l'endroit où j'ai chopé tous mes esclaves. Histoire de voir s'il n'y en a pas un petit là qui a spawn, intéressant. Bon pour l'instant il n'y a personne qui m'intéresse. Faut pas réduire l'esclavage. Archer, on s'en fout. Calmez-vous. Calmez-vous, cuisinier. Ok, bon, y'a rien, on s'arrache. On va pas crever pour rien. Bon, bah, du coup, go respecter l'objectif de cet épisode. Allez, go désert. Bon, du coup, j'ai chaud. Ouais, ça me fout dans la merde. Mon armure, elle me fout vraiment dans la merde. Définitivement. Je peux pas la porter, quoi. Bon. Continuons notre chemin, on a pu boire un coup. Est-ce que j'arriverai pas à crafter une gourde, en fait? Quelque part, alors ça déjà je m'en servirai pas. Les esclaves sont beaucoup trop loin, je peux pas les ramener. Les esclaves en fait on les tire avec la corde et du coup la corde elle a une durabilité. Là c'est trop loin chez moi. Évidemment, what the fuck. Coucou toi. Tu me veux quoi en fait? Vous croyez que je peux lui faire mal ou? What the fuck, empoisonné. Je pense que je vais poser ça ici, hein. J'aimerais bien le tuer, lui. Tu crois que tu viens comme ça, là, dire sur moi? Ok, oui, c'est... Oui. Ça fait mal, hein, cette merde. Oh, il est trop fort. What the fuck? Bon, je pense qu'on va plutôt continuer notre objectif. Faut qu'on aille prendre la carte. Arrêtons de déroger à l'objectif. Du coup, on est où? On est ici. Faut qu'on aille là. Let's go, hein. Espoir de Muriel, hein. D'accord.
D'accord. Bon, on s'arrange, hein. S'en fout. On essaie d'avancer. Non, c'est bon, toi, lâche-moi. Toi, vous là, vous deux. M'a fait une balayette. Oh le bâtard. Eh mais oh! Heureusement qu'il est tout petit, hein. En gros, ce qu'il me faudrait, c'est. Pas du tout ça. Et pas du tout ça. Ok. Faudrait le lichor. C'est hyper important le lichor. Oula! Oulala, c'est quoi ce truc là? C'est toujours chaud ici. Apparemment, c'est un peu la merde du coup en vrai. Hein. Bon, reste tranquille, tête dans le dur. Il a dû passer une mauvaise soirée, lui. Oh, aïe aïe aïe. Alors. C'est la première fois que je vais ici. Cité sans nom. D'accord, cité sans nom. On va tracer. Je cherche pas à comprendre, nous on veut notre table. C'est tout. Pas trop d'ennemis, ça va, c'est cool. Alors par contre j'ai aucune idée de... Corruption? Comment ça corruption? J'ai fait quoi wesh? Comment ça corruption? C'est la cité qui me fait ça? On y voit rien en plus. Ouais, on y voit que dalle. Il y a une tempête là où je rêve. Mais je vais crever en fait. J'ai pas mon masque anti-tempête. Tempête de sable, oh putain. C'est la crise. Les gars, c'est la crise absolue là. Comment ça, je peux pas le mettre? Oh mon dieu, c'est la merde. Comment ça, il est impossible de construire ici? Oh non, si je crève, je respawn chez moi, les gars. Putain, je suis au bout de ma vie. Mais accroche-toi! Putain, pourquoi ça marche pas là? Toi lâche-moi hein. Mais je comprends pas pourquoi je peux pas le poser ce truc. J'ai rien compris hein. Et pourquoi je peux pas le poser en fait? Ok, on va le foutre ici. Bon, ça s'est pas très bien passé, deuxième tentative. Entre la corruption, la tempête et tout ça, je sais pas du tout ce que je fais là. Alors pas du tout, hein. Eh, c'est la merde ici, oh. J'ai un peu peur de m'affronter. J'ai un peu peur de m'affronter à ça. Ok, non, bah j'ai raison. C'est beaucoup plus fort que moi. Je m'arrache. Je sens que ça a mal tourné cette expédition là. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je vais au truc violet quoi, au centre.
En vrai, ils sont pas très forts parce que je suis à poil, hein. Tu vas où là? Petit squelette. Tout petit, tout mignon. Tout mignon le squelette. Par contre, si tu veux bien crever un jour, ça serait cool. Je pense que ça sert à rien de les farmer, il va rien avoir, non? Oh, rien quoi. Rien donné. Bon, allez, tant pis. Par contre, je pourrais pas mettre. Oh, il y a un mec là. Salut, t'es gentil, t'es méchant. T'es très grand. Yo. I smell you, human. The stench of your kind has not improved throughout the eons. What? Comment tu parles? Pourquoi il dit que je pue comme ça là? Coucou. Il va m'attaquer là derrière là? Il est sérieux là? Attends, attends, mais on n'a pas fini de parler, je me fais attaquer. Mais il est sérieux là, pourquoi tu m'attaques comme ça là? Tu vois pas que je suis en train de parler? Un bâtard, oh, ça se fait pas ça. Ok, bon alors. Il nous raconte de plus sa vie en fait. Bon, ok, ça va, ta gueule, tu m'as saoulé. Ouais, en vrai, il nous explique. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Il nous explique un peu l'histoire du monde et tout là, mais bon. Nous, on veut la table. La table de téléportation là. Coucou. Laissez-moi, je veux pas me battre. Vous allez m'empoisonner. Oh putain. D'accord. C'est obligé ça? Il bouche l'entrée un peu, non? Option faible. Ouais, un petit coffre. Y'a rien dedans. T'es un peu au milieu toi, non? T'as pas l'impression? Je peux passer? Tu vas me parler? Tu fais quoi? Tu vas m'attaquer là? Non? Je sais pas. Bon bah reste là où tu es. Très bien. D'accord. C'est pas du tout ici. Ah mais c'est en fait c'est un boss. Ok. Non mais je veux pas. Je veux pas faire ça. Je veux pas. C'est une mauvaise idée pour moi ça. Jamais je le tuerai lui. Bah non mais jamais je le tuerai, c'est mort en fait. Ok, nickel, je vais crever. Non 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 non, non j'ai pas envie de crever là. Non, dis-moi pas qu'il m'a touché là. Ok. Comment dire que je suis un peu dans la merde là, non? Tu m'as oublié? Non mais non mais ouais mais proche je le frappe aussi. Faut pas que je meure hein. C'est pas par là hein. C'est clairement pas par là ma salle hein. Ah ça va mieux. Bon ouais du coup c'est par où quoi ah, c'est bon lâche moi le squelette. En même temps elle est grande la cité non? Peut-être autre chose. Ça c'est peut-être le donjon principal et faire autre chose ailleurs quoi. Je sais pas. Corruption encore. Eh mais la corruption va me tuer au bout d'un moment quoi.
J'ai un peu soif. J'ai bu un coup. Oh, ça m'a l'air bien cet endroit-là. Oh, il y a une entrée là-bas. On va aller voir. Allez, s'il te plaît. J'ai chaud, je suis pas bien, je suis corrompu. Oh putain. Mais c'est quoi ces bestioles aussi là? Il vient vers moi là? Ah ouais. Ok, bon, on va courir, hein. Je pense que c'est ce qu'on arrive à faire le mieux. Courir! Salut toi! Ah, c'est celui qui a la tête dans le jeu tout à l'heure. Yo! Oh putain! Mais c'est complètement fermé en fait. Non. Tu passes pas toi. Gros sac. Allez, dis-moi que tu vas y arriver, mon pote. Ok, ça va. Parce que l'autre il m'attend en bas là. Putain, mais. J'ai jamais trouvé en fait. Ouais, je suis allé un peu en YOLO. Mais bon, c'était pour faire une expédition quoi. Là-dedans là? Y a un truc là. Tu veux m'attaquer, t'es sérieux? Vas-y, reste tranquille. Je sais pas du tout où c'est quoi. Du coup. Je suis perdu dans un endroit de merde. Oh putain. Oh, ouais, je joue avec le feu en plus. Hey, yo! Nickel, no problems. Ok, on va passer, bah, je sais pas. Par là-bas. La skip, c'est par là-bas. Faut que je trouve en fait l'obélisque qui me permet de me téléporter ici à la base en fait. Et du coup, ça, bah, je l'ai clairement pas trouvé. Et je me suis clairement planté. Ok. Corruption. Oh putain. Wow. Oh the fuck. Franchement c'est. Oh putain, c'est pas bon ici. Hein. Mais je suis où bordel? Ok. On avance. Ouais, il y a du bois et tout ici, c'est trop bien. D'accord. Retour vers ici du coup. Alors, est-ce qu'il se par là-bas? Passer par là. Bon, allez, il y a des bruits, laisse tomber. Hein. On va passer par là. Ouais, il y a un truc là. Oh, il y a l'obélisque, elle est là. Ok, putain, mais j'ai dû passer à côté tout à l'heure en fait. J'ai dû clairement passer à côté quoi. Tu m'attaques pas toi, très bien. Mais ouais, lui là, je l'ai tapé. En fait, c'est vers ici quoi. C'est ici. Bon, c'est peut-être pas le moment de montrer ça. Ok les gars, je suis corrompu, laissez-moi tranquille. Non, non, mais comment ça? Ok, je me couple. Voilà, comme ça, on va pouvoir se casser d'ici après. Ok, et maintenant, je saigne. Il y a un squelette qui m'attaque. Toi, je sais que je peux te buter, hein. Alors, pas fou. Voilà, ça dégage le squelette. Ok, et ensuite. Je sais pas, c'est par là? Archive. M'a l'air bien là, une petite lumière et tout. Je suis toujours à poil, je suis à l'abri, je suis bien. Il y a un sale bruit.
Il y a un truc qui brille au fond, ça a l'air pas mal. Il y a un fantôme. Je viens en paix. Je suis full corrompu. Hein. Ok. On va aller ramasser les archives, il y a plein de trucs à apprendre ici. Bon, on va aller voir le fantôme. Mais là, tranquille. Là ici je peux me téléporter du coup. Ça marche pas? Ça marche pas hein. D'accord. On m'a pas l'air activé. Le volcan normalement il brûle. Yo. L'archiviste. Do not be afraid, bandit. Ok, je m'en fous de ta vie là, prends-moi ça là. Cartographe, merci bien. Allez, ciao. Merci l'archiviste. Ah, bon bah voilà, nickel. Alors qu'est-ce que ça se fait ici la carte? Salle des cartes. Il me faut de la pierre corrompue. Très bien. Il me faut de la base alchimique, du cristal, ça j'en ai masse. Renfort en fer, ça sera pas compliqué. Par contre ça, la pierre corrompue... Je sais pas trop comment on fait. Ok, bon je m'arrache d'ici parce que ma corruption bah ça va dégénérer au bout d'un moment. Alors on rentre à la maison hein. Bon bah ça y est, on est de retour à la maison. Bon bah, niveau météo ça change un peu hein. C'est pas le même délire on va dire. C'est un peu plus sombre par ici. Bon du coup on va voir. Oh bah regardez, il y a une biche curieuse. Je te demande ce qui se passe dans cet enclos. Et ce qui se passe, c'est que tu vas nourrir mes bestioles, petite biche. Viens là. Vas-y, ça rend fou. Oh. What? Il y a une autre biche là qui a spawn. What? Ok, d'accord. Un sacré bordel. Bon. Bon, écoutez, il y a des biches coincées à l'intérieur. Ça va être rigolo quand ils vont spawn. Du coup, ouais, pour faire notre table de cartographe là, donc ça je peux le faire directement dans mon inventaire ici. Mais pour me la faire, il me faut des pierres corrompues. Et pour faire des pierres corrompues, c'est ici dans le chaudron à creuser. Il me faut de l'ichor, du sang de démon et de la pierre. Alors l'ichor, je sais comment on en récupère, je vais vous montrer. Et le sang de démon, alors là. J'en ai aucune idée. Le problème c'est que l'ichor, j'en ai besoin pour fabriquer du consolidant pour la pierre qui me sert ensuite là-dedans cuit avec de la pierre comme ça normale, ça me fait de la brique durcie. Et cette brique durcie plus ça, ça me fait des murs comme ça, beaucoup plus solides. Mais le problème, c'est que là, 66, c'est rien quoi. Et en fait, tout repose sur l'ichor. Alors regardez ce que j'ai fait en off. Galessa, galessa. J'ai fait très exactement ce petit complexe. Pour récupérer l'ichor. Bon, ce coffre, c'est moi qui l'ai mis, si quelqu'un, ça intéresse quelqu'un. Bah écoutez, ça m'intéresse moi en fait. Voilà. Alors le petit complexe que voici que voilà, on referme et en fait c'est tout simplement des nasses pour capturer la poiscaille. Il y en a que 5, ok, il y en a que 9 ici, il y en a vraiment pas beaucoup par contre, hein. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça, je suis un peu déçu. Alors oui, je vous explique pas, ce qui nous intéresse c'est le poisson peu appétissant, parce que quand on le cuit ça fait de l'ichor. Genre espèce de d'huile, de graisse dégueulasse de poisson. Voilà. Par contre, vraiment, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Bon, au passage, on s'est fait une petite esclave quand même. Hein, on sait jamais. C'est une esclave briseuse d'esclaves. Allez, on amène cette sauvageonne ici. On va la briser. Allez. Sois brisée, meuf. Voilà. Bah, du coup, les gars, c'est la fin de l'épisode 3. Donc bah on a réussi à faire notre petite quête pour récupérer la table. On va essayer de la crafter, ce sera l'objectif de l'épisode 4 je pense. Je vais farmer les ressources en attendant évidemment. Et on verra bien ce qu'on fera par la suite.
Merci d'avoir suivi cet épisode et ciao guys!